Allez, bonjour à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de ma série, de ma saison 1 en série hardcore sur le jeu Torchlight 2. Allez, on va y retourner. La dernière fois, je vous avais laissé à l'entrée d'une quête optionnelle dans un cimetière où il fallait déjà que j'ouvre la porte avant de pouvoir aller faire la quête. Allez, pour relance, ça va être un peu loin chargé parce que c'est une grosse zone et on va y retourner tout de suite. Allez, allez. Allez. Alors attendez 2 secondes, j'ai juste vérifié un truc, c'est mon frappe s'il prend bien les vidéos. Juste 2 secondes, je reviens. Me revoilà, oui, il prenait bien les vidéos, mais j'avais un doute. Parce que mon disque dur faisait une drôle de tête. Alors. Ok, d'accord, oui. Ça réveille pas mal de monde, on dirait, quand on. Quand on tape sur ces urnes. Il y a là le fantôme qui va amener à la porte. Je suppose qu'il en manque. Je crois en avoir vu une par ici. Oui, c'est ça. Oula. C'était pas ce bouton-là. Quand on maintient mage appuyé, en fait, on reste statique. C'est plutôt pratique. Ça y est, la porte est ouverte. Il n'y a rien d'autre dans le coin. Il semble que non. Bon, bah allons-y. 8-10, bah, c'est cool comme ça. On va pouvoir aller pexer. Allez, allez. On y retourne. La galerie d'os étage 1, donc je suppose que ça veut dire qu'il y a plusieurs étages. Et super génial. Le champion pour démarrer. Oula, oula là. Ouf, potion. La vache, le monde qu'il y a. Ouf. Vite, vite. J'ai plus de potion, j'ai plus de potion, j'ai plus de potion. Oh la vache. Oh la vache. Je suis encore en vie. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Ouf. Eh ben non, j'ai plus de potions. Bon, bah je vais aller demander à mon pet d'en acheter, hein. Hop, on va vendre tout ça, ça me sert à rien. Passage, je vais regarder ça, je vends ça, c'est un tromblon à deux mains, je vends un bouclier, je m'en servirai pas, un bâton, je m'en servirai pas, ça faut que je le garde parce que je suis pas encore en bon niveau, le casque je vais regarder, les gants je sais pas trop, bâton je vire, arme d'ast je vire, ça j'ai pas le niveau, je vais garder quand même au cas où, et ça voilà, on va organiser l'inventaire, toc, c'est bon. Donc voilà, je vais lui demander d'acheter des potions de vie, hein. J'ai combien de sous? 10 000. Allez hop, je vais en acheter une trentaine. Je tente de dire le coup. Oh la vache, je pensais pas que j'en aurais autant besoin. Oh la vache. Ouf. Ça m'a fait peur, on voit que j'ai vraiment plus de vie. C'est vraiment la galère. Alors, je vais regarder les items comme ça. Alors, j'ai un casque, celui-là donne plus d'armure physique, un focus supérieur, régénère des mana par seconde, plus 24 points de vie, voilà, c'est plus pour focus, mais j'aime bien le plus, les deux, enfin, le plus 12% d'efficacité de potion quand même, c'est plutôt utile. Ça c'est parce que j'ai déséquipé. Ça, deux emplacements, ça peut être cool. Plus 11 d'armure de poison, plus 4 d'armure physique. Est-ce que j'ai quelque chose qui augmente les points de vie? Ça, parce que là j'ai plus 75 de ce côté. Et les gains ont été utilisés pour acheter les objets demandés. Ok. Oups, c'est pas ça. Je vais l'équiper. Attendez, c'est lequel? Ouais, celui-là est inférieur quand même.
plus 5 en vitaille, plus 3 en force. Il faut que je taille sur la défense. Alors, on va rajouter des points de vie. Et puis de l'armure physique. Voilà. Toc, ça on vire. Ça, on va garder. Attendez. Emplacement. Je vais prendre une potion aussi. Voilà. Déjà, ça va mieux. Ça, j'ai dit qu'on virait. Ça, on vire. Voilà. On y retourne. Ah, je suis pas trop confiant. Voilà. Ça me retombe direct sur la gueule. Il faut que j'arrive à en tuer. J'hésite pas à faire le bourrin. Prendre des popos. Ça y est, je crois que j'en tue quelques-uns quand même. Oh la vache. Mon pet il est complètement défoncé. En même temps, vu le nombre de gugus qu'il y avait. Ah, et maintenant plus que deux champions. C'est pas trop compliqué en fait les champions. C'est surtout qu'ils sont jamais vraiment tout seuls. Enfin, sauf le gros qu'on a croisé il y a pas longtemps. Le gros machin. Que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. On essaiera de le faire un peu plus tard, mais pour l'instant. Ah la vache, j'ai frôlé la mort là. On s'est tout retourné. Aïe. Ah, yeah. D'accord, bon, heureusement que j'avais pas ouvert le sarcophage en plein combat. Hein. J'espère que ça va pas être non plus tout le temps la même chose. Si je tombe sur autant de monstres comme ça tout le temps. Ah, une amulette non identifiée. On verra bien. Ouf, ouf, ouf. J'ai failli me prendre la flaque de poison, je suis passé en plein dedans. Oula, celui-là il a beaucoup de vie. C'est un élite. Coller une potion de vie. Non, mon pet il prend tellement du lourd. Et... je sais pas si vous entendez derrière, il y a quelqu'un qui parle. C'est. Bah, c'est le type, il est en train tout le temps de me dire. Votre pet est presque mort. Bon. Popo de vie, parce que elle m'a fait peur. J'ai cru qu'elle allait bien me défoncer. Oh bah, il y a un paquet d'urnes. Boum. Voilà. Alors là, il doit y avoir un levier. Oh bah oui, ok, d'accord. J'ai pas fait exprès d'appuyer. Effectivement, il y avait un levier. Oh bah, ils sont super rapides ces squelettes. Roman squelette. Boum. Laisse-moi tranquille. Squelette avec des boucliers qui sont quand même plus faciles que les gros trucs qu'on croisait dehors. Merde. Hop. Bon d'accord, le champion. Mauvais. Oh là, il y a encore un paquet de monde ici. J'avais dit que dans cet épisode on finirait ce donjon, mais là je pense que ça va être dur. Hein.
le monde qu'il y a. Allez. Oula, oulala, oulala. Ouf, 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 ouf. J'ai l'impression qu'il y en a qui invoquent. Dans le champion, il y a juste écrit qu'il lance des forts de foudre, mais. Et des hurleurs sans tête partout. Il y a trop de monde. Ah mais il se téléporte. Et d'où qu'il sort, on dirait qu'il repop comme ça. Ok, il en reste plus qu'un. Ça y est. Y'en a plus. Ouais, c'est bien ça, c'est lui qui les épop. Ouais, cohue, je voyais pas. Allez, je vais bientôt vous finir, tous. Si je crève pas avant. Ça va me coûter cher en popo, je sens. Il reste encore tout ça. Quoi? Encore? Eh oh! C'est quoi ce bug? En jeu, je sais pas pourquoi, plusieurs fois j'ai l'impression de refaire les mêmes. Les merdes. J'ai failli me prendre le. Allez, boum! Oh la vache, la salle va être longue. Au rythme, ça va. Allez, boum, boum, boum. Ça y est. Plus j'ai atteint un nouveau rang. Il y avait rien en fait dans cette salle. C'était par en haut. Bon, alors un point de compétence obtenu par un nouveau rang. On va monter, ça parce que ça peut être tapé assez. Allez, hop. Ouh. Elle fait pas facile cette salle hein. Ouais, des élites. Il lâche souvent des potions. C'est ça que j'aime les faire. Ouais, une potion. Bon, qu'une seule potion. Bravo. Un portail de retour en ville. Prouch. Allez, allez. Ça, c'est fait. Moi, je pense que je suis qu'au premier étage. Enfin, je me tape quand même pas mal de monde, hein. Une porte. Bordel. Du monde.
squelette pyromane. Machin avec leur bouclier qui se ramène leur fraise. C'est moi tranquille. Voilà. Tu fais mal celui d'en bas là. Archer squelette antique. J'avais pensé aux tombes drogues dans Skyrim. Archer squelette antique. Allez. Donc les squelettes violets, hein, c'est pas des ennemis, hein, c'est bien mes alliés invoqués par mon pet. Niveau 10. Bon, alors on va monter. Il faut combien déjà pour équiper ça? Dextérité 41. Oh, je peux le mettre. On va mettre un point 8 là. Allez. Je peux le mettre. Je vais le mettre à la place de qui? Plus 5 en recul, plus 9 physiques dégâts. 22 points de vie volés par coup, plus 15 dégâts physiques pendant 5 secondes. Arme améliorée, tu es dit champion pour améliorer. Vitesse d'attaque rapide. 80 dégâts par seconde. Je vais ne pas remplacer ça. Voilà. Hop. Boum, boum, boum. Ouais, c'est sympa. Allez, on y va. Bon, j'aimerais bien au moins trouver le niveau inférieur avant la fin de l'épisode. Boum, 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 boum. Je vais bien être téméraire, mais là, il y a du monde quand même. Au vu du nombre de coups critiques, là. Bon, ça va, en fait, ils sont pas trop durs à faire. Ah, mais j'y pense, il me reste un point à mettre. Ah, bah tiens, sortiège Vortex, vous invoquez un fétiche qui attire les ennemis proches vers lui et a une chance de les assommer. Maximum 3 ennemis à la fois peuvent être attirés. Au maximum, les chances d'assommer sont de 8%. Ouais, ça peut être sympa pour se tirer d'affaire. On va le mettre ici. Et ça fait quoi? Sympatoche. Donc ça attire 3 ennemis. Oh la vache, il tire tellement fort que j'ai brisé son bouclier d'un coup. Ah, un portail de retour en ville. Oula. Allez, attendez, on va essayer avec lui. Ouais, ça les attire. Ah, ouais, ça l'a assommé. Bon, sympa. Alors, j'espère que c'est par en haut. J'aurais trouvé pas mal d'items, ça c'est cool. Yeah. Oula. On est sacré dégâts quand même. Attendez. Ça fait 20 minutes déjà. Écoutez, j'aurais même pas trouvé le niveau inférieur. Hein. C'est long. Hein. Je vais essayer de taper un petit peu plus quand même. Avancer. Ah ah ah. Avec un peu de chance, c'est par là. Ouais, non, il y a un gros coffre. Je vais finir la zone et puis je vous laisse. C'est dommage, j'aurais bien aimé trouver le niveau inférieur parce que ça veut dire qu'on y passe encore un épisode au moins. En tout cas, le début.
Allez, allez. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Ouais, y a, on voit qu'il y a un... Voilà, il y a un élite. Arrêtez de s'y frotter tout de suite. On fera ça au prochain épisode. Ok, bon ben vous avez vu, on a frôlé la mort plusieurs fois dans cet épisode. C'est un peu la galère. Simplement parce que j'ai plus assez de potions. Il m'en reste combien d'ailleurs? 25? Ouais, ça part vite, ça part vite. Ouais, ça devrait aller. Bon, ben, la prochaine fois, on essaie de trouver niveau inférieur, on le finit, et je pense que l'épisode encore après, on commence la quête principale encore une fois. Ok, j'espère que ça vous aura plu, partagez la vidéo si vous l'avez aimé, et puis à la prochaine, salut à tous !